Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord? C'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi. Je crois que je l'ai déjà utilisé une fois. Le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les trois lectures. Ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà. Donc, ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi, je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va procéder comme d'habitude avec une lecture en forme de croix. Et à la fin de cette petite lecture, le valet de bâton. On va voir s'il ressort après. À la fin de cette petite lecture, je vous sortirai encore un oracle de la tattoo thérapie. D'accord? Alors, Vierge, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge, au cœur de votre focus de cette période, on a la 9 de denier. Alors, 9 de denier, c'est une carte qui nous parle, c'est une énergie qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. Dans un premier temps, elle signifie que vous savez parfaitement ce que vous êtes capable d'accomplir ou pas. Vous savez parfaitement quelles sont vos forces, vos faiblesses. Vous vous êtes fait tout seul, vous êtes arrivé là où vous êtes seul. Vous savez, voilà, encore une fois, vous savez quels sont vos atouts et sur quoi vous pouvez vous appuyer pour être autonome, pour être dans l'autosuffisance. Vous n'avez pas besoin d'un regard dégoulinant d'amour pour vous sentir valorisé. Vous êtes capable de vous valoriser tout seul. Mais de ce fait, ça nous explique aussi que vous êtes un petit peu dans une cage dorée. C'est-à-dire que vous savez comment voilà, vous satisfaire tout seul de ce que vous avez ou toute seule, hein, vous adaptez en genre évidemment. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que vous le choisissez. Mais du coup, c'est un peu la cage dorée où, bon, voilà, je me suis construit, j'ai fait ce qu'il fallait pour être en sécurité sur le plan financier, sur le plan professionnel, ou même en termes d'estime de moi-même. Mais voilà, ça peut dénoter une forme d'isolement, peut-être, de solitude aussi. On va voir, hein? On continue, on va voir. Ici, dans la sphère mentale, on a la 9 d'épée. Ça, c'est une carte difficile à avoir au niveau mental. Pourquoi? Parce que 9 d'épée, vous avez deux fois 9, hein, soit dit en passant. Donc, peut-être que vous devriez prêter attention au 9 mars, au 9 avril. Voilà. 9 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a c'est la roue du hamster. Dans la tête, c'est non-stop, c'est ça n'arrête pas. C'est celui qui n'endort pas la nuit. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui est là dans la tête, une pensée, une idée, un projet, n'importe quoi, une angoisse peut-être même aussi, et ça vous prend littéralement la tête. D'accord? Il y a une petite tendance à projeter sur le mur de l'avenir des échecs aussi.
C'est pas ce qu'il y a de plus serein à vivre. D'autant plus que vous l'avez au niveau mental. Donc quelque chose vous pousse plutôt à peindre le diable contre la muraille. Quelque chose vous pousse plutôt à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors qu'en réalité, vous savez parfaitement où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans une période de crise, de doute? Je ne sais pas, on va voir, on continue. Le socle ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. Et vous avez la grande prêtresse, votre intuition. Votre intuition vous guide, votre intuition vous parle. Il y a une petite voix intérieure qui essaye de vous guider, qui essaye de vous montrer une issue, de vous montrer un chemin. Ça peut être à travers les rêves. Si vous faites des rêves marquants en ce moment, soyez attentifs, il y a des messages dans ces rêves. Pourquoi? Parce que le langage de l'inconscient, c'est le rêve. C'est l'inconscient, ça. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Il y a quelque chose en vous qui porte une clé pour sortir de cette période, pour sortir de cette prise de tête. Il y a une clé, mais elle est à l'intérieur de vous, elle est dans votre inconscient. Donc, à vous de méditer, d'entrer en vous, d'essayer de sonder, d'essayer de parler, de comprendre. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous parle, qui y a des indications en vous ou alors à travers de vos rêves, encore une fois. Quoi qu'il en soit, forte intuition et l'intuition, elle est là pour vous guider. De là d'où vous venez, 6 d'épée, vous êtes parti de quelque chose qui était un non-sens pour vous. Vous êtes parti. C'est pas vous allez partir, vous êtes parti. Vous êtes en train d'arriver dans quelque chose de nouveau qui peut-être ne correspond pas tout à fait à ce que vous espériez, ou peut-être parce que c'est tellement nouveau que ça vous inquiète un peu, ou peut-être que vous vous inquiétez de ce que vous avez laissé derrière vous. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, de là d'où vous venez, vous êtes parti, vous avez laissé des mauvais souvenirs derrière vous, vous avez laissé des tracas derrière vous, vous avez laissé des pensées, des souvenirs derrière vous, et vous espérez que là où vous arrivez maintenant, l'herbe sera plus verte que de là d'où vous venez. C'est peut-être juste une période d'adaptation, hein. Écoutez votre intuition, c'est le seul chemin que vous ayez là, visiblement, cette période. Là où vous allez... Superbe. Le roi de bâton. Ok, donc c'est vraiment une période transitoire. N'ayez pas peur, pas de panique. Rappelez-vous ce que vous êtes capable de faire. Rappelez-vous que vous êtes autonome et indépendant. Rappelez-vous que si vous êtes là où vous êtes, c'est pas par hasard, c'est parce que vous vous êtes retroussé les manches à un moment donné. Rappelez-vous vos compétences, vos qualités. Arrêtez de projeter du négatif sur l'avenir, il n'y a pas de raison. Et dites-vous que c'est vraiment une période de transition. Appuyez-vous sur votre intuition, elle est votre amie durant cette période. Et là où vous allez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie. Alors déjà, par le fait que c'est un roi, c'est une énergie qui est responsable, qui est mature, qui est souveraine. Et le bâton, c'est « je suis fière de moi, je suis passionnée ». Je suis plein d'énergie, je suis plein de vitalité, j'ai des idées plein la tête, j'ai des projets plein la tête, je suis plein de charme, je suis capable de séduire qui je veux par mon langage. Voilà, c'est une énergie qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment obtenir ce qu'elle veut. D'accord? C'est là où vous allez. Donc, c'est une transition durant laquelle vous perdez peut-être un petit peu vos appuis, vos repères. Pas de panique. Rappelez-vous d'où vous venez et ce que vous avez réalisé. Ça peut vous aider de savoir quels ont déjà été quels ont déjà été vos accomplissements. Voilà, d'accord? Et on s'appuie là-dessus et ça va aller, ça va passer tout seul. Alors, petit oracle pour vous. On va prendre celle-là. Ah ben, je l'ai eue pour la balance. La beauté. D'accord, je vais vous le lire. Alors, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. C'est une période où vous allez peut-être devoir aussi faire la liste des compétences
des talents que vous avez pour pouvoir amorcer l'étape 2 de votre projet quand vous êtes parti de là où vous étiez. Donc, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Ton âme, l'intuition. Ok ? Encore une fois, tout ça, ça s'applique, enfin, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, c'est évident. Mais ça peut aussi bien être professionnel que personnel, hein, on est bien d'accord. Ok ? Alors, mes chers, moi, je vous conseille, s'il vous plaît, d'aller voir votre signe ascendant et d'aller voir votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois lectures et vous aurez quelque chose de plus personnalisé qui peut vous donner peut-être d'autres indications aussi. Et puis, je vous demande surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours utile de lire les témoignages des autres personnes qui ont le même signe que soi, même si ce n'est pas non plus la vérité absolue, mais ça peut aider, ça peut donner des pistes, ça peut donner des suggestions et ça peut rassurer aussi accessoirement. Et puis, nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.